Oh, c'est trop chouette, je suis en train de devenir incollable sur le compost. Bon alors dites-moi Frédéric, il y a combien d'espèces de vers sur la planète Il y a environ 200 espèces de vers et en France, pour le lombricompostage, on en utilise principalement deux espèces. Ok, bon, bah, comme ça on a notre réponse. Bon, alors changement de sujet, dites-moi c'est quoi ce gros vélo mais ça, en fait, c'est mon tracteur. C'est avec cet outil que je vais chercher, que je collecte les déchets. Donc, je peux transporter jusqu'à 250 kg de déchets avec Sans ça. tomber Sans tomber. <laughs> bah, bravo. Alors, quel type de déchets est-ce que vous récoltez donc, principalement de, de la drèche. Donc, euh, la, de drèche, la drèche, c'est un résidu céréalier. D'accord. Donc, quand on fabrique de la bière, on se retrouve avec de la drèche. Quand on fabrique du café, on se retrouve avec du marc de café. C'est un petit peu l'équivalent. Donc, vous allez dans les brasseries locales Voilà, dans les brasseries euh, sur Eusée et sur Nantes pour collecter cette drèche qui me, bah, qui me sert à alimenter mon élevage de verres à compost et, et également pour les poules. Pour les poules Voilà. Ah bah, on va leur donner. C'est un peu comme dans l'amour et dans le pré, c'est fun. Alors, hé, les petites cocottes. Coco ah, ah Ah Ça mord Bon, bon bref, je l'avais fait peur. Euh, Dites-moi, les poules, c'est aussi votre deuxième passion, c'est ça Voilà, disons que les poules sont un formidable outil pour valoriser les déchets. Et euh, c'est vrai qu'on peut remplacer, en fait, le, le grain ou les granulés qu'on donne aux poules par, euh, par des déchets produits localement comme euh, les drèches de brasserie. Après j'ajoute aussi des, euh, des invendus de boulangerie, donc des miettes de trancheuse à pain qui permettent d'apporter les glucides parce que la, la drèche est surtout des protéines et on arrive du coup à avoir un aliment complet pour les poules. Et alors vous avez euh, comme projet de développer des euh, poulaillers euh, partagés ou collectifs voilà, parce qu'en ville, il reste encore beaucoup d'espaces qui peuvent servir à ça. Donc, euh, à installer des poules pour produire des œufs, parce qu'une poule, ça fait quasiment un œuf par jour. Et euh, ça peut aussi aider à la valorisation des, euh, des déchets, parce qu'une poule peut, peut manger environ 150 kg de déchets par an. Ah oui. donc, euh, donc, ça peut vraiment être un outil intéressant euh, pour la gestion des déchets. C'est une super initiative, bravo. Merci. Bon, Alicia, je ne te l'ai pas encore dit, mais en fait, j'ai adopté une poule. Évidemment, je pense que je vais l'appeler Alicia. Et puis, je lui ai surtout promis d'avoir une petite place sur le plateau, juste à côté de toi. Bah oui, vous seriez mes deux petites poulettes, quoi. C'est trop mignon.